Salut les gens, on poursuit l'aventure française sur Open Universalis 4, Walter Nightmare Mode, et on est en train d'annexer à la fois Saint-Paul et à la fois Toulouse. L'annexion de ces deux fiefs vassaux devrait suffire à compléter les objectifs de mission, enfin de décision de centraliser le royaume. Et après quoi, le jeu changera un petit peu, parce que on sera plus dans une dynamique d'annexion justement, mais une dynamique de conquête pure et dure sur nos franges, dans notre espace vital entre guillemets dans un premier temps, puis après on sortira un petit peu plus de là. On est en 93, fin 93. On est à peu près au stade de la troisième croisade. Les Fatimides ont presque repris l'intégralité du royaume de Jérusalem. Oh, les Bulgares sont en train de perdre du terrain. Ah ouais. Pourtant, ils sont quand même moins 12, alors que sur la carte, c'est plus impressionnant que ça. Parce que tous ces territoires-là sont moins riches que ceux-là. Dans un an, on pourra tout faire d'un coup. Le militaire, par contre, un an. Hop, dans le doute, je vais juste faire un petit développement quelque part. Voilà. Ça pète en Andalousie. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guerre ici? Non, même pas. Est-ce que les choses sont stabilisées ici en réalité? 27 000, 26 000. Il y a toute une marge à reconquérir pour les Anglais, alors que c'est vraiment Alba qui est dans une dynamique de conquête vers le sud. Toujours une guerre importante entre ah, le Léon, le Portugal et Toula. Et Barra. Ah, il l'a en partenaire mineur, l'Aragon. Pas mal, c'est intéressant ça. Parce que s'ils prennent en sandwich à un moment donné la Navarre, ils pourront faire une seule et même entité. Et pourquoi pas former le royaume d'Espagne? On avance, on est même à 97. C'est cool ça, parce que c'était prévu pour 98, je crois. Du coup, dans 3 ans. En attendant, est-ce que je vais faire une guerre? Bah, tout dépend des missions qu'on va me confier ici. Hop. Alcaraz, encore dans le sud. Ah, on pourrait profiter de la Grande Guerre ici justement pour... Carrément, ouais. Ils sont complètement affaiblis, donc on pourrait prendre pas mal de territoires. Je pense que c'est ce vers quoi on va s'orienter. C'est parti. Tac. Oh. Bah, de toute façon, on avait déjà des revendications. Est-ce que ça nous en a rajouté? Tac. Allez, on fait venir le Roussillon là-dedans. Pas de diplomate envoyé. Effectivement. Tu reviens. Ouais. J'aurais bien aimé avoir une réduction de coûts d'annexion, c'est toujours ce que je préfère ici dans ces circonstances pareilles. Hop là! J'ai même pas vu ce que je demandais, parce qu'il faut pas que ça soit quelque chose qui soit contrôlé par. Non, je vais m'assurer de contrôler tout ça. Tous les territoires revendiqués, et puis il y a lui à virer. Et puis l'autre, c'est Togourt, c'est dans le désert. Ok. Donc, toi tu vas là. Toi tu vas là.
Oh non, c'est faire le tour, non, non. Tac, tu peux pas aller là? Là, ouais, à la rigueur. J'aurais dû envoyer juste 1000 hommes. Oh oui, c'est impressionnant là. Ils vont vouloir me prendre en... Hop, on va rester ensemble. On reste ensemble, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Parce que oui, bien sûr, c'est toujours comme ça, hein. L'IA est en guerre contre d'autres factions, mais c'est nous qu'elle va chercher à détruire. Allez, fais la jonction. Hop. Est-ce qu'on arrivera à temps? Ça, c'est pas du tout certain. On se dépêche. Ah oui, le lion, le lion. Parfait. C'est eux qui nous ont sauvé la mise. En même temps, ils nous doivent bien ça. Est-ce qu'on fait la différence? Même si j'étais en train de gagner. Bon. Disons qu'on apporte le coup de grâce à l'adversaire. Villa, villa, villa. C'est ça qu'on doit prendre. Donc on va y envoyer quelqu'un. Oh, tant que ça. Voilà, juste ça. On réserve notre place. Encore 20 000 hommes en face. Comme par hasard, il va me chercher moi, c'est ça? Tac. Bon, voilà, ça c'est à moi. Alcaraz, c'est le nom de la région, justement. Et voilà, on peut faire ça, c'est cool. C'est nous qui assiégeons d'ailleurs. Oui. Et voilà, ça c'est fait. Nickel. Oh, mais la paix a été faite. Ah oui, il a dû forcer la paix, puisque il était dans le caca contre moi. Et le Portugal lui aussi a pris des territoires à Baja. C'est vraiment le début de la fin pour les musulmans en Espagne, là, cette guerre, j'ai l'impression. Et pourtant, mais attendez, ils sont pas en guerre contre quelqu'un d'autre. Tac, non, il n'y a que nous. Ah oui. Bon, on va virer le premier déjà. Puis on va aller s'occuper d'autres. Tac. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ok. C'est ok. Ici, là. Togourt, on ne pourra jamais l'enlever, mais. Ici, simulons. Ah bah ouais, ça peut se faire, je pense, tout ça. Pour l'instant, on est loin, mais. Allez, les 18 000 hommes pour vraiment faire la différence. Et nous sommes en 95 pendant ce temps-là. Je me demande si les 18 000 hommes peuvent arriver à temps pour éclater cela. Ah, on peut pas. Bon. Prendre la relève non plus. C'est vraiment que là qu'ils peuvent aller.
tant pis, on va perdre Raen. À moins que là aussi... Tac. Oh, c'est long. C'est ici que ça doit se faire en premier. 21%. Bon. 24 000. La richesse. Infinie. Allez, 35, ça peut le faire. Non? Bon, bah, ça va tomber alors. Ouais. Hélas. Même tout séparé. Moyen de prendre tout ça très rapidement. On n'est pas premier partout, hein. Hop. Hop. Et voilà, c'est bon, ça. On va aller là, parce que lui, il va prendre le premier. Ouais. Ok. Prendre l'Ice Ramen de manière dangereux là. Ce qu'il fait. Là on va se rallier. Oh non, il y avait ça, il y avait ce petit territoire, il l'a pas pris en fait. Parfait ça, bon du coup. C'est nous qui allons les rejoindre. Là pareil, très bien. On va pouvoir créer un affrontement. Et. Ah oui, d'accord, ok, il allait au sud. Bah, ensemble, on peut peut-être l'avoir. On arrive. Pendant que la conquête continue ici. 10 000. Là, on est à 31%. Nous, on doit pas aller à plus que 60, hein, ça devrait suffire. Ah oui, bah oui. Oh, c'est loin. Non, on va rester là, derrière. Oh là. C'est vrai que c'est impressionnant, le Léon, là. J'ai vu la petite armée qu'il y a vers Bordeaux. C'est pas un souci. Les 9000, ils sont pour moi, là. Je pense qu'il va toujours sur Almeria. Oh, dis donc. Toujours bizarre quand on voit la seconde armée arriver, mais moi aussi j'ai des renforts. Ok, 43, parfait. C'est loin. C'est bon, hop, allons-y. Oh, il reste pas grand-chose. Avec la chute de sa capitale, ça devrait être bon.
Ouais, les catholiques convertissent aussi bien, c'est cool. Ok. On va lui faire péter des alliances en plus de ça. On n'en demande pas plus. C'est bien assez. Hop. Ah oui, je me disais aussi, tarder à arriver. Et c'est ok. On va remonter les 18 000 à Bordeaux. Et on laisse le reste ici. Nous sommes en 96. Et on est à 86%. C'est très bien. Voilà, deux armées de 13 000. Bon, 2 ans. Oh, la guerre, ouais. Angleterre, Alba. Et l'Angleterre perd à nouveau. Ah, on peut accélérer la chose avec ça, c'est vrai, j'avais oublié. Eh oui. Alors, ça va être pris en compte là ou pas? Ah voilà, 1200 de 3 ans, c'est quand même pas mal. Sur le premier, on n'a pas trop vu la différence, mais sur le deuxième, oui. Poitou. Hop. Bon, j'améliore les relations, même si je sais que normalement, annexion de Saint-Paul plus annexion de Toulouse égale la perte de tous mes autres vassaux et la conquête de ces derniers. Je sais pas s'il y aura une trêve par contre quand on va prendre la décision. Est-ce qu'il y aura une trêve ou est-ce qu'on pourra enchaîner directement sur la conquête de ces gars-là. Bah, j'ai envie de donner un maximum là. Tac. Je suis pas un radin. Ouais, 76 000 hommes. Toujours très impressionnant, les Seldjoukides. Ou les Hongrois aussi, impressionnant là, qu'ils aient pris autant de territoires autour. Ah, les pauvres. C'est vrai que ça doit pas être évident de jouer les Fatimides, parce qu'ils se prennent quand même pas mal de croisades. Une croisade sur deux, c'est pour eux, hein, parce qu'ils contrôlent les lieux saints. Après, des fois, il y a des croisades qui partent dans la Baltique, ou même contre les Byzantins. Moi, en tant que Byzantin, j'ai déjà eu à essuyer une croisade, mais... Tiens, d'ailleurs, j'ai même pris Rome dans ma partie byzantine. Et j'ai peur que je mange une croisade assez prochainement. Je suis au XIIIe siècle déjà, en 1250-1260. Et c'est une crainte quand même, parce que quand les croisades sont mobilisées, c'est...
Ah, Trébizonde, d'accord, ok. Ouais, même ça, ils peuvent pas le gagner, les Byzantins. Terrible. Ah, ce qui est terrible ici, c'est de voir la fragmentation. Si au moins il y avait un empire plus important qui pouvait englober cette région-là, ce serait plus. Ça ferait plus Empire Ottoman, justement. Même si ça s'appelle pas l'Empire Ottoman, les Bulgares pourraient former un immense territoire. C'est eux la puissance dominante de la région, je trouve. Eux sont pas mal non plus. Hop, ok. Ben voilà. Non. Ah non, il est loyal tout. Mince. Donc c'est bon. C'est intégré. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une flotte. Ah non, non, mais. Hop, c'est trop. Ils avaient une flotte de 25. Hein. C'est dingue ça. Hop, on va ramener ça à Caen. Puis on va les améliorer, parce qu'apparemment il y a des améliorations à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, Toulouse, son annexion, qui se prolonge jusqu'en 1202. 5 ans encore. On est maintenant, qu'on vérifie ça, à 182. J'en avais compté 19 territoires toulousains, donc on va voir si on est bon, on a le temps pour les recompter. Alors, 1, 2, 3. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Par contre, un de plus même. Bon, on a au moins 18 là-dedans. Faut pas qu'il y ait de guerre qui se déclenche dans les 5 ans entre Toulouse et quelqu'un d'autre. Elle est déjà en guerre, bon sang. Est-ce que ça gèle justement? Même 1202, on vient de passer. Contre qui? Ah, participer à la croisade! Est-ce que ça va être comptabilisé? Non, c'est pas comptabilisé. Voilà, on est passé à 64%. C'est cool. Donc tu te bats contre qui, le Fatimide? À part les Toulousains. Déjà, il y a deux. Ça, c'est une autre guerre, ça. Ouais, c'est ici. Et Danishmend. Mais voilà, les catholiques sont là et très énervés. Sicile, Provence, Toulouse, Corse, Bohême. Ah ouais, Cracovie, Danemark. Ça ne rigole pas. Et moi, j'ai toujours pas trouvé le moyen de participer à cette affaire. Ce qui est bien triste. Mais bon, après, c'est une sacrée aventure. Hein. Autant dans le jeu de base, bah, il n'y a pas de croisade. Parce qu'on commence. Bah si, il y a un système de croisade. Si, si, c'est vrai. Je dis n'importe quoi. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, comment dire, la traversée est sacrément laborieuse. C'est comme si la croisade d'Europa Universalis 4 dans le jeu de base serait d'aller à l'autre bout du monde. C'est vraiment comme si on était en France et qu'on allait au Japon. L'attrition est très très sévère sur les navires. Il faut vraiment faire plusieurs étapes quand on utilise les navires et puis ils avancent plus lentement que je trouve que les forces terrestres. Donc peut-être qu'ils sont vraiment plus rapides. Hop, comme ça. Bah, j'ai envie de me. Hop, faire ça. Tac. Ok. C'est pas encore les 75%. Bah, non, ouais. Tiens, d'ailleurs, les hérésies, elles sont.
pas trop étendues depuis le moment où elles sont apparues. Je trouve. Et d'ailleurs, il y en a certaines qui sont sur mon territoire, mais j'ai pas de puissance de conversion importante. Ouais. Ah, bah ça je peux le faire, ça. C'est vraiment pour la forme. En Île-de-France, il faut voir un autre monument. Donc, voilà, par exemple ici. Voilà, et dans un an, ça sera validable. Quoi d'autre? Parce que c'est peut-être possible. Donc ça va être fait, ça sera pas possible, parce que les cathédrales c'est pas pour tout de suite. Ça non plus, les châteaux. Mais bon, quand ça sera fait, ça sera pas mal du tout. Ah ouais, jusqu'à la fin. Oh, dis donc, pas mal. Ouais, c'est encore beaucoup plus longtemps. Ah, il y a des trucs ultra puissants. Quand ça dure toute la partie, c'est génial. Donc, propagation des institutions. Là, c'est quoi? 3. Ah, oh, mais c'est large. Ah, de votre culture. Bon, c'est pas si évident que ça, et le bonus est temporaire. Ça, ok. Watchman. Ça aussi, ça peut se faire. Mais le bonus est temporaire, encore une fois. 10 ans seulement. Et enfin, être en guerre. Ah, il faut avoir un emprunt, ok. Et le reste est assez accessible. Et le bonus. 10 ans. Oh, bah non. Bon, autant il y a des très très bons bonus, mais les bonus limités dans le temps sont pas top. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, fou. Ah, bah les Anglais aussi. Donc ils se sont croisés, et puis ils ont été l'un chez l'autre, mais c'est les Écossais qui ont été les plus rapides. On est à 70%, on va peut-être aller jusqu'à 1200, mais pour cet épisode, je crains qu'on n'aille pas jusqu'au bout de notre annexion. On va juste continuer de d'observer les missions. Ça, c'est 25 ans. D'ailleurs, on est où par rapport au professionnalisme? C'est pour ça que j'entraîne pas mes troupes. Peut-être le devrais-je. On arrive bientôt vraiment à la fin de l'ère. C'est 1200 tout pile, ça va être. Ouais. Bon, les électeurs sont clairement au nord, hein. Je comprends pourquoi les Italiens se sont barrés de l'Empire, ils n'avaient pas d'électorat. D'ailleurs, c'est une de mes difficultés à partir de. Voilà. Là, je contrôle vraiment les territoires qui sont au sud. Et je commence à ne plus avoir d'autre choix dans ma. Ouh mince. On va faire ça. Dans ma conquête du nord de l'Italie, ben j'arrive à ce stade-là où je vais devoir commencer à attaquer des membres de l'Empire. Et
Et du coup, bah, la conquête est difficile, ça veut dire que ça provoque des coalitions potentielles qui peuvent être assez redoutables. Et puis c'est l'Autriche qui est devenue l'empereur à partir de 1200, je sais plus, 1230 peut-être. Et du coup, qui a un pouvoir de frappe assez important d'une trentaine de milliers d'hommes. Alors que voilà, l'Autriche fait cette taille-là à peu près, mais puisqu'elle est l'empereur, elle peut avoir beaucoup plus de troupes. Là, dans cette partie, l'empereur, c'est... D'ailleurs, c'est toujours triste de voir qu'ils ont validé aucune réforme. C'est ce petit gaillard. Mais lui, il a que 3000 hommes, par contre. Alors qu'il est l'empereur et qu'il a tous les bonus qui vont avec. Bon, c'est quand la prochaine mission? En 99, juin. Ok, dans très très peu de temps. On va voir ce que ça va donner. Bizarre cette forme-là. Sans doute qu'on va me donner une autre mission en Espagne. Ah, c'est le pape qui possède ça. Pauvre Fatimide. Quoique ils se défendent plutôt bien pour l'instant. Ah, voilà, ils sont descendus plus haut, plus bas encore. Eh ben bon, bonne chance les Anglais. Je pense que c'est un peu mort. Hein. Pour espérer une reconquête. Hop, on va se rapprocher. Voilà, on est en juin. La mission. C'est pas mal tous. Ouais, mais je sais pas comment faire. Hop, donc on va faire ça. Et on a dit plus 2. Et c'est parfait. Combien de missions en attente? 2, 4, 6, 8, 10. 10 missions en attente. Voilà, architecture gothique. Boum! La cathédrale, quand est-ce qu'elle arrive, la cathédrale? Où est-ce? Church, bah même. Oh là là. Oh là là, niveau 54 à la cathédrale. Et on sera en 1500 et quelques. Si ce n'est plus. Peut-être descendre une armée là? Ah, l'armée plutôt. D'ailleurs, j'ai une place de libre là. C'est vrai? Et puis je peux, hop, rivaliser le Seldjoukide. Parce que je viens de voir qu'on est passé sous les barres des 50. En démonstration de force. Qui on va insulter nos rivaux d'ailleurs. La Bulgarie ou la Bohême, tiens, c'est pas très loin. On va l'outrager d'insultes. Oh, j'ai oublié, c'est vrai. Bon, on est repassé à 58. On va s'arrêter là. On va attendre que l'année passe. Et ça va être bon. Oh bah tiens, il faut juste que je fasse ça. On va prendre la... Et... Les universités sont apparues, et les universités sont apparues vraiment pas très loin, chez le voisin du bar. Ok, bon, on s'arrête là pour cet épisode, c'est très très bien, parce qu'on s'approche vraiment du dénouement de cette première phase de jeu, qui aura duré une bonne vingtaine d'épisodes quand même.
Hop, et je sauvegarde, et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures.